il est indispensable d'avoir un bon plateau de fromage après un repas et avant le dessert, toujours un plat de fromage où on va retrouver les 5 fromages principaux. Alors sur le plateau, on a les fromages, les sels sur chair, bien sûr, inévitables au moment de Noël, ça c'est à manger avec des figues, c'est superbe. On a aussi le brie de Meaux, ça on ne peut pas passer à côté, le reblochon, indispensable avec une tartiflette, mais qu'on peut très bien manger comme ceci. Le corse, le fromage au lait de brebis, le corse vieux, le corse au vécu, le brie à savarin, qu'on va manger avec des petits croutons, on va le faire chauffer. On va le manger avec des petits croutons, avec des noix et des noisettes à l'intérieur. Ça, c'est fabuleux. Et on va accompagner d'un muscat, par exemple. Ça, c'est superbe. Et puis les poisses, évidemment, en finale, on va avoir toujours un fromage persillé. On ne peut pas passer à côté du roquefort, qui est indispensable sur un plateau de fromage. Et surtout, si vous voulez le mettre après une sole à la normande, ça va très, très bien. Nous, ce qu'on propose, c'est de découvrir le fromage avec les bières de microbrasserie québécoise. Et là, on a toujours de très grandes surprises parce qu'il y a des mariages qui sont vraiment magnifiques en bouche. Hein. Notamment notre fromage Le Léo, qui est un cheddar qu'on fait vieillir dans du porto d'érable et qu'on marie avec la bière du Nibrou qui s'appelle la Trois Pistoles. Et là, c'est magnifique. Le Québec est maintenant l'autre pays du fromage puisqu'on a 300 variétés de fromage au Québec et ce qui donne des produits qui sont extraordinaires sur les plateaux. Il y a le pied de vent hein, qui est indissociable de Paul Bocuse, qui a cru que c'était un fromage français. Et c'est un fromage qui vient des îles de la Madeleine. Vous avez le Riopel de l'île aux Grues, mais il y a nos fromages de l'Outaouais aussi. Nous avons la Trappe-Cœur, qui était fabriquée ici, à la Trappe à fromage. On a des fromages qui viennent de la vallée de l'Outaouais, ici, qui sont des fromages de chèvre. Là, ici aussi, un petit fromage qui vient de chez Fleuralpes, à Papineauville, et puis nos cheddars vieillis. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à mélanger les fromages québécois et les fromages français. Comme ça, on va retrouver notre amitié franco-canadienne dans le plateau de fromage.